Parce que quand t'étais gamin, t'as dit un jour on remplirait un stade, on en est là aujourd'hui. J'ai 26 ans et je vais faire 2 stades dans ma ville, quoi. C'est pas une promesse que j'ai faite à mon frère, c'est une promesse qu'on s'est faite entre frères. Ça fait des années qu'on s'y prépare. On est prêts depuis qu'on a 6 ans, on est prêt à faire ce stadium. Et à la fois, on n'est pas prêt du tout. Tu peux pas te préparer à ça, je pense. J'ai ce sentiment-là d'être un peu sans repère ou d'être dans une machine qui avance à 1000 à l'heure, quoi. Je pense que Big Flow, la plus grosse erreur, si tu veux que ça continue, c'est de continuer comme ça. On a tellement sorti de trucs à une surconsommation. On va faire 1 an et demi, 2 ans de pause. Fatigué. Là, je fais une pause parce qu'on est obligé. Enfin, parce qu'on m'oblige. Réaliser un rêve, c'est le tuer, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire après? C'est presque trop. Frère, tu viens de trouver là le nom du reportage. Et donc c'est vrai que parfois on aimerait espérer vivre durable, mais bon, c'est des choses tellement éphémères, enfin, c'est des choses tellement aléatoires. On peut pas le gérer, quoi.